Depuis quand vous êtes là? Depuis vendredi. Merci. Vous venez d'où? Ayamé. Vous, tu sois d'Ayamé, comprends vos délivrances ici, ça prend toute la Côte d'Ivoire. Même dans les femmes qu'on a délivrées ici, ça a pris toute la Côte d'Ivoire. Viens ici. C'est ton papa. Le sorcier. Il fait quoi? Le sorcier fait rien. Hein? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Tu fais sorcier? Tu as fait quoi? Hein? Viens ici. On n'y pas à faire de ça là. Ce sujet là, qu'on aborde ça devant moi, on n'est pas capable, on n'y pas ça. C'est un sujet où on ne présente pas ça. Voilà là. Je te dis le principe. On est démarré. Ça oui, fait quoi? C'est depuis quand tu es sorcier? Hein? Tu avais quel âge que tu es initié? Maintenant, tu as quel âge? 16 ans. Hein? Excusez-moi, 16 ans, tu as déjà tombé. Tu es déjà vieille. 16 ans, celle-là. 17 ans. Prenons sérieux. Hein? Vous connaissez 16 ans d'Afrique. On est 16 ans. Ça, c'est pas l'Europe, c'est ici. Nos eaux là sont dures comme ça. Elle est dans la vingtaine, toi tu es dans la vingtaine, tu n'es pas dans le tu es son moment, mais tu connais pas son âge. C'est pas normal que tu aies un enfant. Comment on l'a retrouvé ici? Comment? Comment t'as retrouvé? Comment tu as entendu? Depuis quand vous avez su qu'elle était sorcière? Il y a longtemps, ça date, hein? Ça date depuis... Elle a tué sa mère, même elle-même, elle a voulu ça. Non. Laisse ça. Laisse la laisse. Oui. Depuis quand vous avez su qu'elle est sorcière? Ça fait 3 mois maintenant. 3 mois? Oui. Comment vous avez su ça avant de l'envoyer? Très souvent les gens pensent que je viens faire des montages. Non, il y a des gens qui disent ça pour nous gâter. Ouais, parce qu'ils veulent saluer notre image. Or, c'est vous qui êtes venus ici, moi je ne vous connais pas. J'avais bien venu ici parce que vous savez qu'ils sont plus la délivrée, n'est-ce pas? Oui, c'est depuis quand? Ça fait 3 mois. Comment vous avez su ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, monsieur, laisse-moi faire mon travail. Si je vous pose la question. C'est que vous êtes convaincu que ça fait 3 mois. Qu'est-ce qu'elle a dit pour convaincre qu'elle est sorcière? Parce qu'elle a tué sa mère. Et puis elle vous a dit, oui. Ça fait 3 ans que sa mère, 3 mois que sa mère est morte. C'est depuis 2014. Elle dit 3, il dit 3 ou 3 mois. C'est 3 mois que tu as su qu'elle est sorcière. 3 ans ou 3 mois? 3 ans. C'est 3 ans ou 3 mois? 3 ans. Non, elle dit, c'est 3 mois ou 3 ans. C'est moi qui ai dit 3 mois, c'est de 3 mois qu'elle a tué sa mère. Oui, celle a tué sa fille, mais toi tu as su ça, ça fait combien de mois? 3 mois. Ça fait 3 mois, comment tu as su ça? Elle est tombée en France, c'est sa soeur qui a tombé en France, qui nous a demandé ça. Et la soeur est où? Elle a abandonné. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'est sa soeur qui a tué la mère. Okay. C'est depuis quand tu es sorcière? Tu es né avec ça, il faut laisser après du tout. Tu es né à la sorcellerie. Tu vas venir tout de suite. C'est ça? Hein? Tu veux être délivré? Est-ce que je suis un frappe l'homme? Ah, mon Dieu, délivré! Ce qui est vilain en toi, on va enlever ça. Ou bien? Mais pourquoi tu vas guider la sorcellerie? Hein? Il n'a qu'à te montrer son corps, tu vas voir. Tu as bien vu, non? Tu as bien sur toi. Ah! Il dit, hein, c'est pas ça? Si elle cherche là, ça va venir. Elle va voir, elle va voir. Qui a mis sur ton orange? Hein? Lui, mais il l'a vu. On s'amuse pas ça.
Tu es née à ça. Madame, allons-y vite, vite. C'est pas mon temps de travail. Hein. Tu es née avec. Si. Tu es là, là, c'est ce que tu es. Tu trembles. Non, 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 laissez-moi faire mon travail, monsieur. Hein? Vous n'avez pas de quoi? Vous n'êtes pas serein, il y a quoi? Quoi? Quand je pose une question, il faut me répondre. Parce que vous êtes nombreux ici. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. J'ai la commission de te prendre. C'est une grâce. Donc allons-y, vite, vite. Si tu ne continues pas, je stoppe. Je m'en vais. Tu es né avec. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que moi, je ne suis pas basé sur une révélation pour te parler. Je vais te délivrer. Maintenant, toi, tu dois avouer ce que tu as fait. Hein? Garder la famille. Bon, tu as gardé la famille. Quand on dit la famille, c'est vaste. Hein? Ici, c'est comme ça. Hein? Tu vas dire ce que tu as gâté dans la famille. Quand il a gâté le mari de ma soeur. Attends, doucement. Tu dis que tu as gâté le travail de ton frère. Comment il s'appelle? Claude. Son nom, il est français. Claude quoi? Laurent Claude. Hein? Laurent Claude. Comment tu as gâté? Il devait être docteur. Il devait être docteur. Et tu as gâté ça. Comment tu as gâté? Tu as baissé sa peau. Comment tu as fait? Hein? Pointe mystique. Quand vous la voyez, ça a écrit sorcier ici. Non. Vous savez que maintenant, il faut avoir peur. Tu allais draguer une femme, tu la mets dans la chambre, tu vas essayer une chérie, oh, c'est elle qui va monter sur toi. Ah, maintenant, c'est comme ça. C'est l'inverse. Il n'y a pas de chère femme. Ok, moi, il te cherche. Ah, c'est comme ça. Hein? Il y a une femme à Canonou Coco à tous les garçons du village. Et pour nous. Quand le monsieur finit, là, il a un coco qui sort dans la nuit. La fille dit, c'est moi qui fais ça. Vous n'avez pas dû chercher pour quatre femmes. Toutes les femmes qui passent, là, vos yeux sont là-dessus. Comme si vous travaillez à la CIE. Vos yeux brillent seulement. Hein? Tu as perdu, si tu as gâté sa main. Après des sociétés, après, quand vous regardez, là, vous regardez, on passe comme ça. Hein? On est plus à gauche, à droite. On va tout droit. De tomber si c'est là à te manger. Mais c'est ça, les gars sont. Tu dors à une sorcière. Pendant que tu dors, chérie, elle est dans ta poitrine. Comment manger ton cœur, intestin. Elle sort tomate. Oui. Tu as gâté quoi? J'appelle Logan Nina. Logan Nina, comment? Elle aussi a gâté son mariage. Ton mariage, comment? Elle comment tu as fait? C'est une sainte. Ah, tu mens, tu couches avec elle. C'est ta femme, c'est ça? Hein? Quand quelqu'un dit la gâté mariage, c'est que la femme est sa femme. On connaît ce principe-là. Bientôt mon livre va sortir. Ça m'a beaucoup aidé à voyager. J'écris beaucoup. Merci, Esraïm. J'écris les cartes. J'écris les cartes. Je dois me combat sur moi pour que les lignes ne sortent pas. Mais ça va sortir. Ça va vous aider. Oui, ça va vous aider. Les secrets. Si tu finis de lire le livre, tu peux m'arracher la vue. Ils avaient un sorcier. Même les blancs, même s'ils lisent le livre, seront convertis. Parce que le débat de la sorcellerie, les blancs, là. Et ne vous laissez pas distraire. Non, 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 non. Si un blanc aborde ça, il faut dire, bon, vous connaissez la chasse aux sorcières? S'il dit oui, demande les blancs, qui a fait la chasse aux sorcières? C'est les blancs, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait chasse-chasse là, comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont tué les gens innocents. Vous avez la question? Parce que vous avez la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Maintenant, vous ne croyez pas que ça existe. Pendant 3 siècles, donc dites aux blancs, le débat là, nous, c'est clos. Faut pas vous allez nous jouer, nous, et puis vous allez nous berner. C'est vous qui avez tué les sorciers pendant 3 siècles. Donc le débat avec moi, là, il n'y a pas de débat. Moi et les blancs, il n'y a pas. Ce sujet-là, on ne peut pas même pas.
Quand il pousse un pion, il pousse 1000. Ça va? Comment t'as fait? Tu couches avec elle? Tu as quel problème? Tu as kiki alors? Hein? Hé, hey, hé! Hey! Tu parles ou bien? Comment? Comment tu fais? Hein? Tu as monté comment tu te mets, comment tu vas, comment tu te déshabilles, c'est comme ça que tu veux faire. Non. C'est film X, tu es en train de tourner ou bien. Non. Comment tu fais? Non. Parle fort ou bien? Je transforme en garçon. Je transforme en garçon. Tu n'as pas compris, hein? Oui, je transforme en garçon. Qu'est-ce qui se passe? Mon père couchait avec elle. Hein? Mon père couchait avec elle. Quand tu t'entends un garçon, elle avait dit quoi? Moi, il est un garçon. Comment? Il est un jeune. Eh! Il n'est pas une vieille ou comment tu es garçon? C'est là, je vais mourir. Qu'est-ce qui fait que tu es garçon? C'est Kiki ou bien? Non, mais dis ça. C'est la différence. Donc tu as Kiki. Tu veux parler ou bien? Comment ça vient? Hein? Comment tu fais? Comment faire? Vous voyez, non, c'est le même mode de fonction. Tu fais comment? 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 Et puis ça fait quoi? Vers où? Devant où? Comment tu fais? Et puis? Devant où? Ça sort comment? Machine. Hein? C'est long, c'est court. C'est long. Hein? Hein? Comment sorcier son kiki est pour? Ben c'est pour jouer les gens bien. Et puis quand kiki de sorcier est pour, il va être pour jouer. Sorcier, il va pour faire soleil. Hein? Tu n'as pas été parlé? Oui, papa. C'est long. Vous l'avez envoyé quand? Le dimanche. Hein? Moi, on est venu le vendredi, mais elle est venue le dimanche matin. Et pourquoi vous l'avez laissé tout le temps? Bon, quand vous étiez absent là. Non, mais quand je passe moi, les pasteurs sont là, les déjeuner. Les déjeuner. Où est ton ameçon là? C'est-à-dire, quand tu vois la chance des gens sur la tête, tu jettes ton ameçon, tu prends, tu avales. Vous savez? Elle a ameçon mystique. Quand elle voit. Parce que vous savez, je vous dis une chose, hein? L'homme est caractérisé par une étoile. Il s'intime. Et il sait. Donc elle a la maison mystique, il suffit de jeter sa tête et puis elle récupère l'aval. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Mais où c'est? Où c'est? Hein? Tu as caché ça ou t'as dit ta tête? Si j'ai dit ta tête, dis ça. Où c'est? Va t'asseoir. Va t'asseoir, allez. Tu n'es pas une haine. Tu n'es pas d'accord. On t'a fondé fort, souviens. Moi, dis-moi ici, là, c'est facile comme ça. Va t'asseoir. Tu as tué combien de personnes? Tu es malade ou bien? 53 ou 3? 53 ou 3? 53 ou 3? Hein? On ne crie pas, c'est quoi une fois? C'est petit. Et 500 et 1000. On n'a pas trop mangé. Hein? Tu veux être délivré? Comment t'as tué ta maman? Je suis en jeu.
Hein? C'est pas un Gilles. Comment tu l'as tué? C'est un Gilles. M'explique. Il a mis un truc dans sa gorge. Non, tu as voulu donner à manger la sorcellerie à ta maman. C'est ce qu'il a tué. N'est-ce pas? Attends. Il m'a dit de parler. Oui, papa. Ah, mais je ne sais pas comment tu es. Tu es là, comme ça tu forces. Oui, papa. On est en train de faire un film ou bien? Non. Tu mets moins? Non, papa. Faut bien me regarder. Hein. Faut tourner tes yeux de sorcellerie là. Faut t'apaiser. Sinon, il te fait combien tu choses. Sinon, les dieux de sorcellerie t'as voulu prendre. Faut faire attention. Hein. Il te fait casser chaise. Voilà. Je suis venu t'aider. Faut te maîtriser. Tu me moyens pas donc. Faut aller blé blé. Non, on dit blé blé. Comment t'as tué ta maman? Tu prends ta force mystique, c'est sûr, petite force bizarre. Tu sais quel sorcier est rencontré encore tu vois ici? Tu parles pas où est ta voix là, t'as où c'est où? Quand on fait des connus, parce qu'on n'avait pas vous attrapé un jour. Il a donné du vin, il a mangé. Il a dit qu'il ne mange pas. Même quand il est forcé pour le tuer. Il est forcé pour le tuer. Tu as gâté le sperme de 4 personnes dans un bol pour les tuer. Le sperme des 4 garçons. Tu peux me dire le nom des 4 garçons? Il y a Claude. Claude c'est qui? Mon grand frère. Oui, vas-y. Il y a Cosse. Antoine Simeon. Oui. Et puis, Roger. Oui. Claude, Constant. Comment tu as pris le sperme? Comment tu as recueilli le sperme? Il m'a reçu le petit. Le petit est pour moi, quelque part. Quelque part, c'est où? Dans une boîte, c'est ça? Oui, c'était pour quoi? Pour les tuer aussi, c'est ça? Oui, tu vois que je te connais mieux, non? Tu peux t'asseoir. Le pasteur va poursuivre la rencontre. Amen. Amen. Laisse-moi me reposer un peu. On va poursuivre. C'est une dangereuse. Hein? Elle est très, très, très dangereuse. Tu as fait tourner combien de bus à Abidjan? 3 bus. C'est ça? La fête, il a tombé 3 bus à Abidjan. Okay. Elle ne m'a pas dit, elle sait. Elle sait ce qu'il me dit, les vrais. Hein? Hein? Tu as fait la volonté de Dieu. Hein? Maintenant, après, tu étais là, tu ne parlais pas. Tu ne parles pas, on ne te connaît pas. À partir de 1h du matin, je me suis réveillé. J'étais en pleine prière. Dans le rêve, Dieu me réveille pour dire qu'il y a une attaque mystique au niveau du centre. Et donc, j'ai prié toute la nuit. Toute la nuit. J'ai commencé à me reposer à partir de 4h. Et puis, je suis réveillé en sursaut parce que je voyais ce qui se passait au niveau du centre. Tous les esprits, la sorcellerie d'Agban venaient. Toi, tu sais que les gens sont venus hier pour attaquer. Ils voulaient rentrer, n'est-ce pas? Non, je te demande. C'est comment j'ai parlé de tonton. Hein? Tu sais que tes éléments, comme depuis j'ai été arraché des aveux, des gens sont venus ici. Ils n'ont pas pu rentrer, mais on laissait un petit ici. Hein? Viens ici. Venez. C'est la tête d'un chat. C'est ça, non? C'est la tête d'un chat, non? C'est toi qui demande, mets toi devant. C'est la tête d'un chat, c'est ça? Viens ici. Allez, enlevez l'enfant de sa mère. Moi, là, je suis là-bas, mon esprit est ici. Hein. J'escale le sol. Sans moi, quand il est venu matin, il est mort.
Viens. Viens prendre ça. Mets ta main là, maintenant. Allô. Seigneur Jésus, Massacre. Hein? Non, l'habitude à ça. Allez, mets-toi là. Pauvre. Allez, va. Ouvre ça. Non, l'habitude à ça, c'est vous qui ne savez pas. Les sorciers, les sapins, je vous ai bien dit. Oh, je vous ai bien dit. Le don là, Dieu m'a donné. Je vous ai dit ça hier là, c'est pas de l'amusement. Donc hier, je l'ai arraché les aveux là. Parce qu'elle provoque des accidents à Bidjan. Tu vois? Donc elle a une confrérie. Elle a une confrérie de grands sorciers. Donc la nuit là, la confrérie est venue détruire. Ils voulaient forcément détruire, tuer les gens, ils n'ont pas pu. Mais ils ont gardé un truc comme ça. Quand je rentre, ça puisse m'attaquer de loin. Et ça, je suis habitué à ça. Allez, ça, vite, vite. Je suis habitué à ça. Eh, moi, Dieu m'a appelé là. Vous ne pouvez pas me tuer, hein. D'ailleurs, je vais descendre dans le village d'Agban. Allez, chape, 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 chape. Je vais te faire manger la tête là, tu chutes. Allez, ça. Eh, hey, monsieur! C'est quoi ça? Prends la tête là! C'est pourquoi? Tes gens là, ils sont venus là, c'est pour faire quoi? Les gens quoi? Les gens disent, pourquoi ils sont venus parler? Hein? Bon, ils disent, comme je vais parler là. Montre ça bien! Ils vont me fatiguer. Tu es pour le prophète, moi, tu vas dire, hé, hé, faut te dire les choses sont claires. Faut te dire les choses. Moi, je ne vais pas souvent le matin comme ça. Hein. Je suis fatigué. Je viens de l'Europe, je suis fatigué. Toute la nuit, là, le Seigneur dit, ne dors pas. Bon, naturellement, j'ai l'habitude de prier la nuit. Mais cette fois-ci, là, ça m'a secoué. Depuis 1 h du matin, je suis en prière. Parce que quelque chose, un événement de terrible va se passer ici. Un homme, quelqu'un allait mourir, quelque chose. Ils n'ont pas pu atteindre ça. Donc c'est le pouvoir, ils sont venus mettre ça ici, pour que, ils ont bien caché. Or, souvent ils ont l'habitude de mettre devant ici. Souvent ils ont l'habitude, souvent ils ont l'habitude de mettre devant ici, mais ils sont allés cacher. Mais tout le coin ici, c'était tétanisé, hein, c'est-à-dire qu'il y avait le pouvoir. Nous qui avons le don, nous savons. Voilà, nous savons. Donc, je ne pouvais pas. Voilà. Tu as vu? Il fallait que je maîtrise la situation qui est venue. Comment c'est passé? 7 minutes. Explique. Tu donnais quoi? Parle bien. Pourquoi me suis-je passé dans mon village? Mais toi, si tu as. Dans mon village pour venir ici. Ils voulaient que je reste dans mon village là-bas. Comme ça, tu as tué les gens. Je suis venu pour ça. Mais pourquoi moi j'ai décidé de venir à l'église ici? Il est fort. Donc pour le gâter. Non. J'ai accepté ça quoi, qu'on me gâte. Montre bien la tête là. La tête d'un chat, non? Oh, le pouvoir de chat, il est très dangereux. C'est comme le pouvoir de chat, nous le savons, c'est les snipers. Dans cette tu reviens. Ouais. Ah non, ils disent quoi, viens. Ils disent quoi? Viens poser les grandes questions. Parce que hier, il a commencé, il me suppose, non? Ils disent, mais comment on va faire sortir les grands secrets maintenant? Il faut qu'ils me tuent. Ils me tuent. Comme le temps le passé, il allait me prendre. Et attends.
Toi, tu sais qu'on doit tuer quelqu'un. Tu as bien dû attendre une personne. Tu dois pas être tes parents. Je t'ai trouvé où tout à l'heure? Mais tu n'as pas dit à tes parents? Hein? Je suis encore là. Attends, vous laissez. Attends. Je ne peux pas jouer ma vie. S'il te plaît. Je ne peux pas jouer ma vie, doucement. Parce que c'est ma vie qui est en jeu là. Donc tu veux que je meure? Non, papa. Tu veux que je meure? Non, papa. D'accord. Hein? Je veux que tu me délivres. N'arrête de délivrer. Moi, un bourri, n'arrête de délivrer. Oh, tu sais ce qui se passe? Moi, je suis venu vite, je suis venu là, pas. Ceux qui se brossaient là, ils m'ont vu. Je suis allé parler en même temps. Parler, il ne faudrait pas que je suis allé parler au fétiche, boum, parler. Je suis rentré dans la boue. Quand il prie, c'est le bon géo. Donc, quand on te dit fétiche sous la tête, c'est comme ça. Chaque jour, chaque année, chaque 3 mois, chaque 4 mois, vous venez quelque chose me tuer. C'est ça la légende date mon nom. Ah, le problème là, il parle des sorciers, ça va. Quand tu attaques la sorcellerie, il t'attaque chaque jour. Tu as fait tomber 3 bus à Abidjan, c'est ça? Donc toi, ton travail, c'est faire tomber les bus, manger les gens. Comme toi, tu es la grande sorcière. Tu es venu ici, tu as commencé à parler, ils disent qu'on n'a plus parlé. Tu as, comme je te pose trop de questions, c'est ça? Donc. Donc, faut pas ça se déranger. Donc, ils ont dit, ils vont venir me tuer. Montre bien la tête là. Il a de faire manger la tête là. Il y a pardon à ça. Si j'étais mort là. Ah, tu es bon, donc vous essayez là, c'est pour essayer. Le pouvoir de chat. Vous connaissez là ici, tout le monde connaît le pouvoir de chat. On a 5 ça. Tout le monde connaît le pouvoir de chat, il est dangereux. Le chat loue pas. Et donc c'est ça. Vous allez le faire tuer. Vous allez le tuer. Mais tu as dit non, ils sont venus déposer. Faut dire la vérité claire. Ben, je sais ce qui se passe. Je suis pas en train de m'amuser. Je sais ce qui se passe. Je suis fatigué. Tant de monde. Et puis, j'ai commencé à pleurer toute la nuit. Après ça, aujourd'hui, je ne mettais pas les pieds. C'est à cause de la retraite de demain. J'ai une retraite de demain. J'ai dit, je ne mettais pas mes pieds pour préparer la retraite. Et comme ça, toi, tu es venu détruire le centre. C'est ça? Hein? Elle est venue nous détruire, cadeau. Allons dans la poule là-bas. Ne mangez pas. Il y a Cori même au milieu, en bas là même. Tout ça y va. Il y a la Cori là-bas. Allez. Elle va s'asseoir même jusqu'à ce qu'il y arrive. Laisse ça là. Et tourne là. Qu'est-ce que t'as fait sur ton papa? Ton papa la main, t'as fait quoi sur lui? À côté. Eh, faut parler. À côté. Hein. Matin là, faut parler. Faut parler matin là. T'as fait quoi sur ton papa? Hein? Maladie. Quelle maladie? Tu parles pour moi, tu parles pas. Non, non t'as pas, t'as de la main. Non, vous êtes la on va te manger tout de suite. Tu vas la taper. Tu es dit. Vas-y, te manger sauce claire. C'est pas très clair, là, chérie. Eddie, tu as fait quoi ton père? Vous avez les mains, le pied? C'est le pied. C'est beau ça? Ok mon prophète, ça fait presque 8 mois, je n'arrive même pas à marcher. 8 mois, vous n'arrivez pas à marcher. Depuis que tu es paralysé, le premier jour, j'ai mis ici, c'est fini. Oui, ça commence à aller. Comment ça fait? Eh bien, explique. Parle bien, on va te délivrer.
Vous avez coupé son pied pour manger. Vous avez coupé le pied, vous avez suspendu sur une corde là-bas. Et pourquoi? Hein? Qui ne va pas inviter de qui? Ok. Vous avez un problème d'héritage? Oui. Hein? Comment ça se passe? Notre père a laissé une poule. Hein. Donc nos soeurs veulent vraiment être au-dessus de nous qui sommes les garçons. Alors moi, le problème d'argent, moi je l'ai dit, ça ne m'intéresse même pas. Mais je ne sais pas comment. Elle avait mal livré à ma soeur. Et le pied a commencé à me faire mal. Ou rien comme ça. Je souffre nuit et jour. Mais le vendredi, si j'arrivais ici, on ne professe pas que je l'ai. J'ai commencé à sentir même, comment on appelle ça, la guérison, voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Ça a mené une acclamation au Seigneur. Je ne voulais pas venir, c'est celle-là qui a insisté, viens. J'ai dit, mais, donc allons, c'est une question de confiance, je m'en vais. D'ailleurs, garde mon nom cadeau. Comme ça. Alors, tout ce qui est mystique, là, je suis avec ça. On dit, va voir un spécialiste. Les blancs, quand tu es malade, on dit, va voir un spécialiste. Nous, on est spécialisés dedans. Hein. Les gens, ils sont à Abidjan, ils sont dans les capitales, nous, on est à Divo. Toute la région, c'est des grands sorciers. Ils m'ont essayé ici à Iré. Ils m'ont essayé ici à Divo. Même. Ils sont venus de Iti. Ils m'ont essayé. Ils sont venus de Lakota, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Donc, toi, tu es venu quoi? Tu as mis les pratiques mystiques pour nous détruire, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Alors, tu ne voulais pas faire délivrance? Non, mais ça ne veut pas. Que? Je ne savais pas qu'ils étaient ici. Donc, mon frère avait demandé les nappes là. Il a dit non, mon frère me fait venir. Donc, il venait même, il a même empêché de venir. Donc, ils t'ont suivi, c'est ça? Ils sont venus en force, même. Ils sont venus en force, et mon oncle là. Oui, oui, non. Il est reçu par les femmes qui vous a salué le dimanche là. Même ma camarade dit qu'elle n'a pas encore fini de ce qu'on dit en français même. Je te dis tout ce qu'il faut. Ah mais est-ce qu'on a dit elle a fini? Toi même là, est-ce que toi on t'a dit hier elle a fini? Mais toi est-ce qu'on t'a dit là, c'est fini? C'est pas fini. C'est pas ça qu'on appelle aveu. Est-ce qu'elle a dit le nom? Est-ce qu'elle a, elle a fini? Elle a dit juste un peu. C'est parce qu'elle devait dire tout. Et le pouvoir mystique, la sorcellerie, le temps là, vient de maintenant m'attaquer. Vous êtes dangereux, hein, c'est ça? Hein? Je suis ici là. Mon esprit, Dieu m'envoie voir des choses ici. Hein. Tu fais ta tête comme ça. Hein? Je parlais ça fait de Jésus. Hein. Sinon, tu allais manger ça le matin. Ah, tu allais manger ça le matin. Hein. Tu m'as loupé, non, tu ne loupes pas. Hein. C'est parce que c'est l'amour de Christ. Hein. C'est ma vie, c'est ma vie, vous voulez jouer. Je vous dérange, c'est ça? Je te dérange pas comment? Je te dérange pas comment? Je te dérange pas comment? Eh, d'abord, tu voulais être béni. On t'a dit, on t'a forcé, vous venez. Mais c'est sans lui forcer, là. Si tu savais, tu allais faire tomber les cas. Comme la vieille gourou, elle a fait tomber Massa. Elle très mal de là. Le monsieur est très mal, la vieux gourou là, ici, dit, mais je viens te délivrer sur le prophète. Ma sœur est tombée dans la bouche. Lui, quand voit la sorcière, elle est malade, elle est blessée. La sorcière, là, elle est sortie. Sans problème. Yeah, vous avez fini le trafic. Hein. Merci, là, c'est vrai, merci. Non, ici il n'y a plus flèche. Quand tu veux flèche, ça ressort. Ici, là, c'est consacré. On a consacré le sang. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu. Sinon, le fétiche, dans la cour, ça l'est. Donc, tu allais me tuer. J'allais me tuer matin. Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Stop. Sorcier à sentiment. Sorcier à sentiment. Hein? Sorcier en sentiment. Hein? Tu as fait quoi dans ta sorcellerie?
Tu viens d'où? Quel Agban? Vous êtes combien? Vous êtes, vos groupes là, c'est combien de personnes? C'est là, tu vas pas vous la dire. Dans la sorcellerie là-bas là. Vous êtes combien dans vos sorcelleries? Ça veut dire? Oui, ça veut dire le nombre, c'est combien? Vous savez? Toi, dans ta sorcellerie, là, vous êtes 16 personnes. Toi, dans ta sorcellerie, vous êtes 16. Toi, ta sorcellerie dans laquelle vous êtes, c'est 16. Faut laisser ces histoires de calculs bizarres que tu fais là. C'est 16 personnes. C'est faux ou pas? Hein? Hein? C'est-à-dire que tu as tombé 3 bus à Abidjan déjà? Hein? Tu prends le sperme des gens, tu gâtes leur vie, tu les tues, c'est ça? C'est-à-dire que tu es 53 personnes, c'est ça? Hein? Il y a 16 personnes. Je me donne le nom là tout à l'heure. Même d'après ça? Les sorciers, le nom des gens là, ils vont lutter toi. Parce que dans la confrérie, quand tu attrapes, tu ne dois pas dire le nom de quelqu'un. C'est toi qu'on a attrapé, c'est pour toi que tu dois dire. Malheur pour toi si tu dis mon nom. Stop. Vous êtes fâché parce que je t'ai attrapé. Qui tue les gens là-bas dans les 16 là? Hein? Non, c'est elle qui envoie, c'est toi qui exécute. C'est toi qui exécute. Donc tu as un élément très important qui est au centre ici. Tu as un élément important pour le centre. C'est pas toi qui parle. Toujours qu'on. Vous avez su qu'elle était sortie, ça fait combien de temps? 3 mois. 3 mois. Elle a fait des aveux. Vous dites qu'elle a tué sa maman. Elle a tué sa maman, elle a dit que c'est avec la poussière dans tout le temps. J'étais avec elle dans le salon. Ouais. Ça fait 47 ans ensemble, elle était dans le salon. Elle m'a dit qu'elle va uriner. Ouais. Et puis c'est fini. Elle dit qu'elle va uriner, elle est rentrée. J'étais devant la porte, ma fille m'appelle, la grande là. Papa, papa, viens, je vais, ma femme est décédée de ma mère. Et on lui demande, sa soeur est tombée en transe. Léonie, c'est toi qui as tué. Léonie. Et elle a dit la vérité que c'était avec la corde de la série et tout de ça. J'ai 14 enfants, il y a 3 qui sont décédés. Et c'est puis, la sorcière même, je ne sais pas. Non, Dieu merci. Et vous ne voulez pas qu'on combat les sorciers? Ouais, les crimes que les sorciers causent dans les familles, et les gens ne veulent pas qu'on les combatte. Quand tu les combats, le prophète Crasso me combat. Comment on peut combattre un homme qui délivre les gens de la sorcellerie? Comment on peut me combattre? Tu as tué ta maman? Oui, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes effectivement à cette date aujourd'hui, du mercredi 7 septembre 2016. Nous nous apprêtons, n'est-ce pas, pour commencer une retraite spirituelle à partir de demain, 8. Demain, jeudi 8, jusqu'au dimanche 11. Dimanche 11 septembre. Voilà, donc cette fille, comment t'appelles? Hein? Voilà, cette fille, elle a fait des aveux hier. Elle est venue d'où là? Agba Village. Donc on l'a envoyée comme d'habitude. Les gens envoient des sorciers pour se faire délivrer. C'est la brigade anti-sorciers. Nous prenons le soin de faire passer les sorciers aux aveux et en mettant les délivrants. Mais nous savons aussi qu'en délivrant un sorcier, il fait partie d'une confrérie. Donc, et quand un élément épinglé, de la sorcellerie épinglée, vous savez, en même temps, nous sommes même menacés, mais comme nous avons Jésus-Christ, selon la Bible nous dit dans Luc 10, verset 19, et nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. Et c'est si cette parole que nous approchons et que nous sommes convaincus que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Voilà, nous, notre ministère consiste au dévalement et la destruction des œufs de la sorcellerie. Pour nous, ce n'est pas de la peu près. Il faut faire reculer le royaume des ténèbres et imposer la Seigneurie de Jésus-Christ dans les vies et dans les familles. Parce qu'aujourd'hui, le mal cruel, comme j'ai l'habitude de dire, de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Donc, elle a fait des aveux hier, et là, je n'étais pas en plein boulot, je commençais déjà le travail. Et ses petits aveux, en fait, elle a commencé, c'est pas des petits aveux, excusez-moi, elle a commencé ses aveux, on n'avait pas fini ses aveux. Donc, comme un élément très important de la confrérie, il fallait vraiment éliminer le prophète. Donc, il y a eu des pratiques qui sont passées cette nuit-là. Et depuis ma maison, déjà vers 1h du matin, je suis déjà debout pour la prière. Donc, j'avais déjà scanné, parce que c'est le don que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il fallait venir, n'est-ce pas,
démasquer la chose parce que ça devait d'abord, ils avaient programmé détruire des éléments de notre ministère et après ça, attaquer le prophète que je suis. Et par la grâce de Dieu, ça a été, tout a été démasqué, dévoilé, détruit par la grâce de Dieu. Donc nous allons brûler leur pouvoir satanique et démoniaque afin que la gloire revienne au Seigneur. Donc vous avez toute une confrérie là-bas, c'est ça? Tu as tout un groupe là-bas. Ils ne sont pas d'accord avec le fait que tu sois ici, c'est ça? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comment vous allez? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont attaché la tête de Charles pour venir déposer. Et pourquoi? Parce que tu es là pour délever les sorciers seulement. Donc tu déranges les royaumes là. Donc ça ne les prend pas. Monsieur, tu fais quoi? Je dis pas que tu es là pour vous déranger les sorciers seulement. Vous les torriger à parler. Donc ça ne les plaît pas. Donc c'est comme ça les royaumes se datent. Donc ils n'ont plus le pouvoir de faire ce qu'ils peuvent faire. Donc ils ne sont pas d'accord mon travail. Donc toi, partout où ils passent chez les pasteurs, les autres pasteurs, hein, toi, vous ne faites pas la même chose. Donc c'est si toi ils ont les vieux, pour que par rapport aux autres pasteurs, tout sont la prière. Donc toi tu es venu ici, toi tu étais là-bas, et puis ton frère venu ici. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Comme tu as commencé à parler, oui. Tu as tué beaucoup de gens, c'est ça? Papa. Quand j'ai commencé à parler là, je ne veux pas plus là-bas. Voilà, c'est ça? Donc, là, les gars, vous ne voulez pas que je parle. Une enfant qui est venu ici, même. Les gars, vous ne voulez pas que je parle. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à dévoiler les plans. Là-bas, là, il y avait le feu là-bas, mais tu l'as dérangé. Ça, ils sont venus hier nuit. Ils te posaient ça. Avec ton accord. Tu étais d'accord avec ça? Oui, papa. Tu étais d'accord. Tu penses à l'air que le prophète allait mourir, c'est ça? Pourquoi pardon? Pourquoi? Comment vous l'avez ramené ici la fille? C'est important de raconter l'histoire et tout ça. Oui, bon, comme je suis l'employé de frère au monsieur, donc comme ça j'ai vu que mon tonton était malade. C'est comme ça que je l'appelle aussi. Mon tonton était malade, j'ai vu que vraiment sa maladie n'était pas une maladie d'hôpital. Et comme ça, j'ai dit, bon, je vais l'emmener ici. Comme je suis déjà venue ici, j'ai vu votre œuvre sur les gens. J'ai dit, bon, je vais l'emmener ici, comme ça, il sera délivré. Et par la suite, l'emmener, sans qu'elle ne sache. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Mais elle avait déjà fait des aveux. Oui. Elle t'a déjà reconnu comme sorcière. Oui. Voilà. Donc on va détruire ça parce que nous, c'est pour ça que je n'ai pas fait rentrer dans la cour. On va détruire. C'était pour nous éliminer, c'est ça? Pour gâter le centre. Je les gêne. Pourquoi? Je les gêne tous les sorciers. Ils vont éliminer le centre. Ça ne les plaît pas. Elle a donné sorcellerie à sa fille. Mais sorcière, tu bois si saint des sorciers, tu as des sorciers. Nous allons prier, tous les pasteurs, nous allons prier. Et nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Notre ministère consiste à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous ne jouons pas le fétichisme, nous ne jouons pas avec tout ce qui est maraboutage, nous ne jouons pas avec tout ce qui est sorcellerie. C'est pour ça que nous allons détruire ça par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu et notre roi. Nous prions et nous invoquons la puissance de ton esprit. Nous prions pour que le pouvoir et la puissance de ton esprit consument cette œuvre satanique et démoniaque au nom de Jésus-Christ. Révélez les esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettons genoux à l'égoïstique de la sorcellerie. Nous parlons fétiche, c'est fini leur pouvoir, tu te sépares. À partir d'aujourd'hui, je déclare mon pouvoir est terminé au nom de Jésus. Que ça soit brisé au nom de Jésus. Vous n'avez plus le pouvoir sur moi. J'ai quitté, vous n'avez plus le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir sur vous. Je quitte à partir d'aujourd'hui dans votre royaume au nom de Jésus. Je vous appartiens plus, je ne peux appartenir à Dieu. Au nom de Jésus, que ce soit brisé de nous. Si cette déclaration, nous proclamons vaincu le royaume des ténèbres. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Mettez les feux, on va brûler. Nous voulons consumer les œuvres du diable. Commence à brûler. Voilà. Nous consumons les œuvres du diable. Lève-toi, allez.
Le royaume de la lumière de Jésus-Christ, c'est le royaume de la lumière, et le royaume du diable, le royaume des ténèbres ne composent pas ensemble. Christ nous a créés, fabriqués, au fait, en tant que croyants, en tant que fils du royaume, pour nuire. 1 Jean 3, le verset 8. C'est pour ça que nous dévoilons et nous détruisons les œuvres des ténèbres. Voilà, nous en avons détruit ce pouvoir satanique et démoniaque. Voilà. Mettez sur le plastique là. Mettez le plastique, plastique bleu là. Plastique bleu. On va le voir, Voilà, nous proclamons la puissance. Nous proclamons et en même temps, nous mettons le feu dans le camp de la confrérie. Nous détruisons le pouvoir de la confrérie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, que leur pouvoir soit neutralisé, qu'ils soient jamais vaincus dans le nom de Jésus. Madame, c'est toi qui m'as attaqué la dernière fois. Viens ici. Are you the one who attacked me last night? Mm-hmm. Last time? Maintenant, tu veux parler. Allez. Je vais pas chez vous. J'ai intérêt à dire non. Vous souriez un peu. She's looking at me. Come on, now, come back. As if we're in fire. She's ready for you. Ready for you. Who's all that? My mistake. On n'est même pas camarades. Oui, parce que vous n'avez pas les bonnes pensées en vous. Because ouais, les gens pensent, vous voulez, tout ce qui est dans votre tête, c'est négatif. What is in mind is right. Et c'est moi où vous voulez tuer. And you want to kill me. Tu appelles l'enfant qui? Hein? Un jeune. Et c'est enfant. Tu l'as maltraité. Et tu es ici. Hein? Oui, papa. Tu appelles quoi? Pour les vidéos. J'ai fait pour vous savoir. Comment tu as fait? Je vais vous aider. 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 Tu bois ça? Oui. C'est pas un gibier. C'est pas moi. C'est ça que vous là, hé, hey, tu as compris, hein? On a tous compris ici. We all of us still here. Vos yeux brillent contre la Seigneur. Vous allez vous désabonner de la Seigneur. Ah! Souvent c'est pour la question. Ça fait peur, hein? J'espère. Tu connais même pas. Puis les gens ils sont chauds, c'est même du effet. Tu la connais même pas. Tu es chaud. Puis dis-toi, How can you say that? Ah! Yeah, if you don't know that. Donc il boit ça. Papa. Comment tu fais pour donner? How do you manage to get it? Comment je fais chanson là? Je pense pas que le plus normal. Bon, là où t'as des parties là. Vous avez entendu quoi? Vous avez ça? Ici on attend tout, hein? T'es lesbienne ou bien? Tout ici. Ici on attend tout. Oui, tout bien, tout bien. Donc vous avez attendu, hein? Hein? On ne fait pas les choses, du coup. Sinon, ça va nous embouter. Là, il puis boit ça. La nuit, tu... Comme les sucrés. Avec. Donc, et puis après, il pense à toi. Then after, it's about me. Et puis, qu'est-ce que tu as fait après? Et what can I do? Je suis allé chez mon père maintenant. Quand j'ai fini, je suis allé chez mon père. Il y a pas ceux qui puissent m'aider parmi mes soeurs. Où il est? C'est ta préférée? Hein? Cher de l'autre. Viens.
Elle a trop maltraité le vieux. Qu'est-ce que ça? Sa maman était avec son papa dans le salon, elle dit, je vais lui ouvrir les mots. Prenons le boss. Vous les femmes. Le sitting room. Ça va maintenant? Ça va. Je suis bien, regarde. Ça va. Vous avez dit ça faisait combien de temps vous savez qu'elle est sorcière? Trois mois. Vous l'avez su. La main, ça fait combien de temps? C'est depuis 2014. Depuis 2014. Ça fait deux ans. 2014. Mais comment c'est trois ans? Il y a eu quoi? Quel événement que vous avez su qu'elle était sorcière? Parce que j'ai commencé à souffrir de pieds à l'autre, j'ai su que vraiment, elle est à la base de tout ça. Mais où tu es rentré pour savoir? Non, c'est sa soeur qui est tombée en transe, et puis moi, elle a quelque chose qui lui a dit, c'est toi qui fais mal à papa. Elle veut nier. J'ai dit, bon, d'accord, je sais où je vais t'amener, la médication. C'est ainsi que, bon, j'ai une connaissance. Là, ah, on dit que tu as nié avant? Oui. Oui, papa, je te parle. Non, n'est pas même cœur avec comme ça. Il dit, j'ai pouvoir mourir. Il faut qu'elle expérimente l'amour de Jésus. Non, oui, mais c'est ça. Il faut qu'elle aussi expérimente la bonté de Dieu. Non? Son âme a besoin d'être sauvée. C'est bizarre, mais c'est ça. Ça l'était comme ça. Dieu aime ça. Les gens bizarres. Dieu les aime beaucoup. Quand ils sont convertis, ils auront plus la crainte de Dieu que nous. Tu as tué ta maman? Comment t'as arrangé? Il est venu à nous penser. Il veut bien la chaîne. Il veut bien la chaîne. Il veut bien la chaîne. Comme elle aussi, son âme. Elle était fort là. On nous dans la conseil avec lui. Ce qui ne fait pas aimer, il les fait manger. Il a eu mal à la bouche. Donc les gens pensaient que j'étais sur une chose en chiffre. Donc mon père dit non, que ça c'est pas un chiffre. Selon la conseil. Non, pas son père. Il faut continuer les scriptures de lui. Oui, les gens disent non, ça c'est pas un chiffre. Donc non. C'est toi qui as fait. Oui. Donc les gars ne savaient pas d'abord. Non, c'est qui les gens, c'est qui tu dois dire. On gagne un temps, non, c'est toi qui l'as tué. Oui, papa. Il était au salon, il était mis sa bouche, Moi, j'étais dans la douche. Tu disais avec elle? Oui, là, j'ai fait en sorte que mon papa, après, quand mon papa est là, son âme, là, elle la protège. Là, j'ai fait en sorte qu'il puisse sortir au dehors de ma grand-sœur aussi. Avec ma grand-sœur. Dès que je suis sorti au Lyon, et puis ma grande soeur, ma première fille, papa, viens, je suis parti. Ça fait 14 ans, je prends 7 ans. Donc c'est 2014 qu'elle est 14 ans. Papa, donc quand j'étais là, ça va. Dès qu'elle dit qu'elle va y aller, c'était à tuer la Et si tu es l'âme de crocodile? Et si tu es l'âme de crocodile? Ok. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si mon père est sorti. Tu as tué ta maman. Et papa. Il prend que tu as mis au monde. Tu peux penser à tout ça? Non, et pourquoi? Ouais. C'est ça, c'est parce qu'il fait. Quand
Parmi tous mes soeurs, c'est moi, elle les aime beaucoup. Quand tu voulais te donner du bien à ta maman, je ne sais pas si tu l'aimes. À chaque année, elle donnait des cadeaux, les fêtes de mère. Alors qu'est-ce qu'elle donnait, c'est le même, même c'est ce qu'elle donnait. Nous, on ne peut pas savoir. Chaque année, les fêtes de mère. Je pense qu'elle peut se mettre parmi mes soeurs. Donc, je fais des mères. Je lui donne des cadeaux. C'est un signe très génial. Elle a donné son mouton. Et puis après? Après, il l'a tué. Il m'a demandé. J'avais peur. J'avais peur de dire. Donc, on dormait le soir. On dormait le soir dans la chambre avec ma grand-sœur. Dans le moment de France, qu'elle a commencé à parler sur moi dans la chambre. Que non, c'est toi qui m'as tué. C'est moi qui l'ai tué. Bon, ok. Le sang, c'est tout. Nous, un mort, pas se garder dans quelqu'un ou pas. Nous nous sommes évangiles pour un patron. Et donc, on va venir. Tu es sorcier, je prends plus souvent les aveux. Et qu'est-ce que tu as fait ton père? On va venir, tu es prêt. Mon papa, comme j'ai fait en sorte qu'il puisse m'aimer là-dedans. Quand il me donne l'argent, on dit maman, ah tiens l'argent, comme tu fais rien à la maison, donc on prend l'argent. Tu as les pêcheurs, tu as mangé, moi j'ai fait 5 000, 2 000. Donc c'est là-bas, je suis, il a pris mon âme, je suis attrapé son âme. Attrapé son âme, oui. Oui, le programme, il l'a attaché. Parce qu'il y a eu confiance en Jésus-Christ. Pour manger, ça a été un peu dur. Ça a été dur pour elle. Je crois en Jésus. Moi, il sait que ça va. Il dit c'est pour manger, là, c'était un peu dur, mais c'est le pied là. Non, on t'a programmé. Et qu'est-ce que tu as fait après? Après, tu fais tomber les bûches, tu tues les gens. Pourquoi pas? Mais bon, ça se passe bien. Il est transformé maintenant. Il est attaché dans le monde des ténèbres. On entend la défense de décembre, comme son âme en corps dur. On est fatigué un peu, puis on descend. Il est bien, on est paralysé, tout ça. Et après, on met un an, on fait la trappe, mais quand on descend, on est tué. Donc, ça tue, tu es maman, ça tue, tu es papa. Non. On est venu ici maintenant. Elle a senti qu'on nous a accompagnés là. Donc, comme elle m'a appelé dans la maison, mon levier a dit non, ils n'ont qu'à me faire venir au sein. Donc, ils m'ont fait venir. Maintenant, il dit ah, ils m'ont pas dit en fait, ils m'ont pas dit où est mon verre. Parce qu'elle me disait là. Et elle a fait renverser le cas qu'on était dedans. Là, ils m'ont pas dit, et quand je suis venu, quand je suis venu là, on m'a dit, ah, l'église, moi, il s'agit de venir. Et on a bien de ne pas te dire. Et depuis, ils t'ont dit, même quand on est venu là. Et dans le même soir, les gars sont venus, les gars disent, non, c'est elle qui peut m'accompagner ici, c'est elle qui peut me faire venir ici, pour me délivrer. Donc, eux aussi là, ils ont la même sœur aussi. Elle a dit non. Comme elle, elle a réussi à m'envoyer. Comment le truc s'est retrouvé là? Le chat s'est retrouvé là. Comme il a commencé à m'approcher de questions le mercredi là. Moi, ça ne s'est pas plus. Il dit non, toi, tu les déranges dans le monde. Et partout où tu passes, tu les déranges dans le monde. Moi, ça ne les fait pas. Donc, j'étais fâché. Donc, ça venait nous déposer. Le tour était dans la chute. Tu veux délivrer? Oui, papa. Tu veux me délivrer? Oui, mais c'est aussi Jésus. Follow Jesus. Non, Jésus, tu as Jésus aussi. Oui, papa. Parce qu'il est bon. Il est bon? Oui, papa. Bon, les gars, ils sont délivrés. Il est bon depuis le début, hein? Tu viens pas? On a passé dans tous les coins.
Pendant que tu dis que si tu venais ici, on te disait que tu allais dans le ciel. J'ai dit non, on a passé partout chez le, à l'église, tout ça là. Donc ils ont dit à mes parents que non. Donc on est dans ton quoi qu'on était délivré. Donc on mais ça va dire non. Et eux, ils ne couraient pas. Quand ils ne sont pas à la maison, ils courent pas. Il va sortir le promène seulement. C'est chez garçon. Non, vous êtes mes camarades. La garçon de France. Parce que le vieux était marathon. D'accord, ma femme aussi. Il est sorti au triomphe. Donc c'est ça, le juge a arrivé, puis ma partie l'a envoyé. Elle dit non, qu'il n'a pas joué. Feu! Aïe, voilà, donc quand un sorcier fait les aveux, vous voyez, après avoir parlé, il faut que le démon soit chassé du corps. Vous comprenez? Je sors de nouvel enseignement. Parce que dans son corps se trouve un esprit. Et c'est cet esprit-là qui fait d'elle une sorcière. Donc si elle fait les aveux qu'elle a parlé, que le démon ne sort pas, elle demeure sorcière. Parce que faire des aveux ne veut pas dire qu'on est délivré de la sorcellerie. On a fait des aveux sur la compression. Il y a un second pas. L'histoire qu'on doit faire, qu'un homme doit faire, c'est de nous débarrasser de ce démon. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, on a en nous l'esprit malin et l'esprit méchant. Donc l'esprit de la sorcellerie est le démon d'esprit méchant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une fois le démon parti, c'est fini, elle est délivrée. The devil is gone. Shut it! Come out. Il faut que tu aies ça aussi. La puissance de la parole, l'autorité, que ça soit dans ta parole. Amen. Come out! Come out! Le feu sur toi. Fire. Quitte son corps. Leave your body. 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 Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Tcha. Go. Allez. Go. Allez. Go. Le feu sur toi. Fire on you. Le feu sur toi. Fire on you. Le feu sur toi. Fire on you. Come on. Allez. Feu. Fire. Feu. Fire. C'est pas comme ça, vous vous embrassez. How can you taste this kind of bread? J'ai une bonne goût. Que Dieu nous aide. Il vous aide. Tu cherches quoi? On les appelle marche plus. C'est où tu as mis ta tête là? C'est ça qui fait ça? Elles ont la capacité de vous attirer vers elles. Justement, prends ta chance. Just to take your pour vendre. Il faut des trocs. C'est pas facile, mais en tout cas. D'accord? Sinon, elle va tomber sur une possédée. Elle va boire nos cerveaux comme des guêpes. Comme les cailles, non? Ça va, maman. Mon cerveau est bien parti. Ma tête à Alzheimer. Tu oublies tout. La clé de ta voiture. Eh Dieu, tu nous aides. Aide-nous, Seigneur, pitié de nous. Aie pitié de nous, délivre-nous, délivre-nous. Feu! Fire! C'est la puissance. Maîtrisez-la! Feu sur toi! Fire! Sors! Come out! Sors! Out! Sors! Out! Quitte son corps! Leave her body! Quitte son corps! Leave her body! Va! Go! Va! Go! Va, go, va, go, va-t'en, go, tu libères son âme, oui, son âme. Maintenant, lâche-la, lâche-la.
Quitte, allez. Leave. C'est chez toi. Fire, leave. Pas. No. Allez. No. Va-t'en. No. Va-t'en. No. Le feu sur toi. Fire, leave. Le feu sur toi. Fire, leave. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Consume tes œuvres dans ce corps. Le feu. Laisse. Le feu. Fire. 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 Venez s'apporter une assassin. Le feu. Fire. 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 Au nom de Jésus. Come on! I'm coming! Feu! Fire! Quand on est à longtemps, le feu te brûle. Ça t'a brûlé pour t'envoyer ici. La salle à son village, le feu l'a brûlé. Que la pluie. Vous allez consacrer son village. Elle continue de manger les gens, le feu l'a brûlé. Tu vas quitter son corps. Lâche-le. Va-t'en. Comme ça, quand. Lâche-le. Va-t'en. Va-t'en. Go. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Go. Pousse ton cri et va. Last scream and go. Pousse ton cri et pars. Last scream and go. Quitte son corps. Leave. Maintenant même. Right now. Va. Go. Ouais, non, le démon t'en est parti. The demon is leave. Voilà, le démon va partir. The demon is leave. On attend Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu t'appelles? Ça va? Détends ses pieds. Regarde-moi. Ça va? Comme ça? Ça va? Comment t'appelles? Regarde-moi, regarde-moi. Léonie. Hein? Léonie. Qu'est-ce qui est sorti de toi? Of the house. Le serpent. Hein? Le serpent. Le serpent. Tu es délivré. Amen. Elle est délivrée au nom de Jésus. Comme l'esprit est parti, n'est-ce pas? C'est parti devant nous, non? Ça veut dire qu'en elle se trouvait un esprit. Elle n'était plus maître de sa volonté. Vous comprenez? Sans cela que nous autres, nous prenons le temps de comprendre et d'aider ceux qui font la pratique de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la possession. Il y a un démon qui est là qui contrôle ton cœur. Tu as l'impression que l'esprit te pousse vers le bas. Donc, c'est comme ça. C'est terre, s'il vous plaît. Non, c'est terre, laissez. Les gens ne font pas travail, laissez. Entre sa sortie là-bas. Entre sa sortie là-bas, personne ne peut contre moi-même. Personne. Personne. J'ai bougé mon travail. Pourquoi elle est ici? Elle est ministre. Ok. Donc, l'esprit est parti. L'esprit est gone. Ok. La nature aurait du vide, n'est-ce pas? Personne. Il faut qu'elle soit remplie maintenant du Saint-Esprit. C'est la partie la plus importante de sa vie. Parce que quand on est débarrassé d'un esprit, Dieu amène son esprit pour nous amener à avoir la pensée positive et de contrôler notre cœur, nos pensées. Le Saint-Esprit. Bien saisi. Est-ce qu'on a bien saisi? Je suis en train de monter les techniques de délivrance. Elle a fait des aveux, n'est-ce pas? La grande partie. Voici une partie où le démon a chassé le démon. Elle est convaincue que quelque chose est parti d'elle. Vous comprenez? Maintenant, nous allons faire quelque chose d'important. Elle va. Nous, on fait juste un, on ne peut pas. Ça va? Maintenant, on envoie Jeannette. Vous avez le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit? Regardez ce qui va se passer. Lève ta main. Regardez ce que la force de Dieu va faire.
Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Non, les yeux, non, on n'a pas besoin de fermer les yeux. Lève ta main sur moi. Pas besoin de fermer les yeux. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Hein? On va faire la prière. C'est différent, hein. Quand un démon sort, c'est différent. L'onction est différente de la présence de démon. L'esprit est doux. C'est le démon qui fait agiter les gens. Donc, c'est la chose qu'il veut connaître, tout ça. Comme la nature aura du vide, et que... Le nom de Jésus. Le diable ne peut pas dire Jésus est bon. C'est une confirmation qu'elle est rentrée, qu'elle a lu l'esprit de Jésus. Croyez, Jésus est bon. Donne-moi lui. Regardez ce qui va se passer. Lève-toi. Regarde. Maintenant, la partie importante de cette action, elle doit prêter serment. C'est différent de Jésus, hein. Ah, il faut comprendre ça. Le médecin, sa thèse, après c'est prête serment. Il prête serment devant Dieu, les hommes, tout ça. Même les médecins, même les juges, les magistrats. Or, le serment ne le rompt pas. Même les chefs d'État. On dit l'ordination du chef de l'État. Il prend la Bible, vous savez pas, devant, il parle. Devant Dieu, je décide, je vais bien gérer l'argent de l'État. Maintenant, quand tu manges, on t'en met en prison. C'est comme ça. Donc, le serment, on ne brise pas ça. On peut briser un pacte, mais pas le serment. Le serment, c'est devant Dieu. C'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu et les hommes. C'est ce qu'il va faire. Or, si elle prononce ça, qu'elle retourne à la sorcellerie, ce qu'elle a dit là, ça va retourner contre elle. Parce que la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, et le moins sonnera. Vous m'avez bien saisi? Voilà. C'est comme son travail.
avec le monde spirituel. Lève tes deux mains. Vous savez qu'il y a eu une initiation, n'est-ce pas? Elle a été initiée, donc il y a eu, elle a prêté serment, elle a fait un pacte. Ça a été brisé tout à l'heure au travers de la prière. Maintenant, c'est un serment. Tu vas prendre engagement devant Dieu et les hommes. Si jamais tu retournes à la sorcellerie, que tu sois foudroyé par la puissance de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Ok, donc tu le dis devant tout le monde, porte-moi. Oui, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement. Je prends l'engagement devant Dieu et les hommes. Je ne vais plus jamais retourner à la sorcellerie. Si jamais je retourne, je meurs. Sur cette déclaration, nous faisons cette action pour serrer cette parole. Le jour où tu retournes à la sorcellerie, que le châtiment de Dieu s'abat sur toi. Amen. Elle est délivrée, c'est fini. C'est fini, on a compris. Déjà, je suis quasi né à la fête maintenant. On est quoi là? Son témoignage, mets-toi là. Non, un peu sur la table. Moi, mon témoignage. On te connaît pas ton nom? Excusez-moi, je m'appelle Le Bon Léonie. Je viens d'un bon village. Bon, moi, mon témoignage, j'étais dans la sorcellerie. Moi, j'ai tué les gens. Je renversais les bus. Je renversais les bus, je faisais les tours, il y a gâté beaucoup de personnes. J'ai tué ma mère et j'ai gâté mon père aussi. En le tuant, mais ça n'a pas pu marcher. Donc, mes compagnons aussi, ils ont fait les yeux sur l'église. Ils ont fait un fétiche, comme les gens de l'église. Mais ça n'a pas pu marcher, mais ils ont dit non, ils allaient tuer le prophète. Donc ça n'a pas marché. Donc, je remercie ma tante aussi qui m'a envoyé dans cette église pour ma délivrance. Et hier, ma délivrance était faite par la grâce de Dieu. Et je remercie Dieu d'avoir fait ma délivrance. Et je lui ai dit quoi? Que je vais rester avec lui, j'ai décidé de marcher avec lui.
pour toute l'éternité. Donc je dis merci pour ce que tu m'as fait. Moi je vais dire aussi à ceux qui ne croient pas que Jésus existe. Jésus existe, il fait des miracles. Donc si vous avez les gens comme moi comme ça, envoyez-les ici. Pour la délivrance, par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Alléluia. Les gens disent que sorcellerie n'existe pas. People say that witchcraft does not exist. C'est quoi la question? Il y a rien qui dit non, ça existe. Non, ça existe. Hein? Oui, papa. It really exists. La sorcellerie existe? Oui, papa. Comment? Ouais. Donc, il faut un peu t'initier dans la langue. Quand tu es là, tu es enfant, on peut te mettre dans la... On peut passer par la nourriture, okay, mettre dans le songe. Donc tu es convaincu que tu es délivré? Oui, papa. Tu es convaincu? Oui, papa. Tu ne sors plus de ton corps? Non, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?